L'arrêt de la série emblématique de France 3 avait provoqué un certain émoi auprès des fans et téléspectateurs, mais une bonne nouvelle est finalement tombée le 16 juillet dernier. TF1 reprend le flambeau du bar du Mistral, pour la grande joie des petits et des grands. Si certains personnages iconiques reprendront vie sous les traits de leurs comédiens originels, de nouvelles intrigues pourraient bien faire leur entrée dans le quartier. Des personnages iconiques et de nouveaux arrivants. Comme l'a dévoilé Voici, certains personnages clés de la série Plus belle la vie vont revenir dans cette nouvelle mouture. Ainsi Myrta Torres, Barbara Evenot, Jean-Paul Boé, Blanche Marcy et Thomas Marcy vont revenir au centre de l'intrigue, campés par leurs interprètes originaux. En effet, Sylvie Flep, Léa François, Stéphane Hénon, Cécilia Ornu et Laurent Kérusoré ont accepté de remettre leurs habits de lumière pour recréer l'ambiance du Mistral. Certains manquent à l'appel, tandis que d'autres sont encore en pourparlers. Malheureusement, ils devront continuer l'aventure sans le fameux Roland, mais nul doute qu'ils sauront lui rendre un hommage appuyé à travers leur jeu. Selon le site de TF1, l'écriture de la série va commencer dès cet été et le tournage, qui débute mi-octobre, aura lieu à Marseille dans les studios emblématiques de la Belle de Mai, ainsi qu'en région marseillaise, ce qui laisse présager un retour sur les écrans en 2024, comme l'ont également indiqué nos confrères de Voici. Pour Nicolas Mellet, directeur de la production d'UN, il s'agira d'une nouvelle création, bien qu'elle reprenne les codes et les personnages initiaux. Toutefois, de nouveaux arrivants ne devraient pas tarder à intégrer la famille Plus belle la vie, sur le site figurant. Comme, est indiqué que la société de production est à la recherche de nouveaux comédiens. Dont un petit garçon brun, les yeux bleus, âgé de 3 ans, ainsi que des jumeaux qui auraient entre 12 et 15 mois d'ici le mois d'octobre 2023. Prometteur. But there's all times through the rough times I think.